Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions. Je teste pour vous aujourd'hui Mario Run. C'est parti! Cher Mario, j'organise une fête au château. Que dirais-tu de te joindre à nous? J'ai préparé un gâteau. Amitié Peach. Oh yeah, Mario time! La petite ambiance à la Mario. Je prends ce gâteau et la princesse Peach vient avec moi. Bienvenue dans Mario Super Run. Dans ce jeu, Mario court automatiquement. Ouais. Alors, franchissement. Mario franchit automatiquement les petits obstacles. Ok. Donc j'ai rien fait pour le moment, hein, je tiens à préciser. Il franchit aussi automatiquement les petits ennemis. Donc ça c'était des petits ennemis. Ah. Si vous faites une erreur, vous repartirez dans la bulle et vous pourrez repartir. Bah ouais, mais bon. Touchez l'écran. Touchez l'écran pour sauter. Ah bah ouais, mais tout à l'heure ça marchait pas. Ok. Il a l'air sympa ce petit Mario. Alors, plus vous maintenez longtemps le doigt pour remplir la jauge. Ok. Ok. Tout, tout. Oh, c'était chaud là quand même. 5 pièces roses sont cachées dans le stage. Ok. 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 Donc là, faut que je prenne appui. Allez, c'est parti. Bim, bim. Bon. Au niveau de la maniabilité, c'est sympa. Oh, il y a un feu d'artifice là-bas. Ou alors, c'est le château qui a attaqué plus tôt. Alors, des données supplémentaires vont être téléchargées. Une connexion Wi-Fi est recommandée. Bah oui, évidemment. Je profite du téléchargement en accéléré parce que je n'ai pas fait de cut pour vous préciser que je teste ce jeu sur la demande d'un abonné. Et oui, alors si toi aussi tu veux que je teste un jeu pour toi, n'hésite pas à me le demander dans l'espace commentaire. Voilà. Et on reprend Mario le jeu! Bon oh bah Bowser là il est en train de tout défoncer. Un peu long les temps de chargement quand même je trouve. Voilà. Après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, dis-moi Todd, qu'est-ce qu'il faut faire? Hey! Oh non, Bowser a enlevé la princesse Peach encore! Il a aussi a détruit le château et fait fuir les Toads. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Monde. Plop, plop, plop. Ah, monde 1. Ok, il y a 6 mondes. Ok. Peach est retenue dans le château de Bowser, il faut la sauver. Scénario. À chaque fois, il se renouvelle dans les scénarios. Je sais pas si t'as remarqué, dans Mario, c'est à chaque fois un truc neuf. Et ça depuis le début, hein. Chaque Mario a un scénario vraiment différent, adapté à chaque épisode. Non, c'est connerie, hein. C'est tout le temps pareil. Hey, ouais. Alors les petits obstacles, il les fait tout seul, il a dit. Ah, ça c'est pas un petit obstacle, ça. Toum, toum, toum. Ah bah là, j'ai raté la pièce. Je suis vraiment mauvais. Hein.
plus facile le mode d'entraînement, mais évidemment. Ah, j'ai raté. Ah, j'ai raté là aussi. Ah bah voilà, c'est la cinquième. Ouais, je suis vraiment mauvais là. Sur ce coup, les deux pièces en plus, je les ai vues passer. Touloutou. Allez. Avant que j'oublie les tickets, voici quelques tickets. Vous avez besoin dans les défis tôt, de remporter les défis tôt du royaume, blablabla. Oui, j'ai 5 tickets, c'est cool. Ah, allez, je vais faire un défi Toad. Ah bah, de toute façon, je suis obligé. Ah, comme ça, je suis obligé. Je teste pour vous. Les défis Toad. Bienvenue dans les défis Toad. Je suis Toadette et je t'abriterai ces épreuves. Blablabla. Un personnage qui a été inventé uniquement pour Mario Kart, pour un personnage féminin de Toad. Ils faisaient comment, les Toad, avant? Du coup, tu vois, ça, c'est un peu ambigu. C'est comme les Schtroumpfettes, en fait. Il y a plein de Toad et une Toadette. Une Schtroumpf. Enfin, il y a plein de Schtroumpf et une Schtroumpfette. Alors, dans les défis, Toad, je me base sur le nombre de pièces ramassées, le nombre de Toad, je vous encourage pour décider du vainqueur. Certaines actions pendant le défi Toad remplissent la jauge, blablabla, blablabla. Plus vos mouvements sont du style, d'accord, ok, donc faut faire des trucs cool. Alors, qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai arrêté de parler parce que j'étais hyper concentré sur... je sais pas si vous avez vu ma tête. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il fallait faire des trucs cool. Alors, est-ce que j'ai fait des trucs cool? Bravo à vous deux. Nous allons regarder ce qui s'est passé durant ce défi et comparer le nombre de pièces ramassées. Ah, mais c'était ça, en fait. Il fallait ramasser des pièces. Ah, j'ai ramassé quand même beaucoup de pièces. En plus, j'ai ramassé des voilà. Là, j'avais ramassé que deux. Ah, il m'a rattrapé quand même en nombre de pièces. Hein. Hey, champion, champion. C'est moi le champion. J'ai battu un petit champignon quand même. Hein. C'est pas rien battre un champignon. Hein. The winner is... The winner is... Starpy, ouais. Non, c'est sympa, c'est rigolo, c'est fun, c'est amusant, c'est Mario quoi, c'est mignon, c'est gentil, c'est Mario. Ah. Ah, j'ai ramené des Toads à la maison, des rouges. D'accord, je sais pas à quoi ça sert. Maintenant disponible dans la boutique. D'accord, ça doit servir à acheter des choses. C'est la maison où habite Yoshi Bleu, placé des... Et il se joindra à vous. D'accord. Alors, on va voir. Il paraît que si je mets des Toads dans la maison, je vais avoir un Yoshi. Alors, vous avez relevé un défi Toad aujourd'hui. Il y a plusieurs défis par jour. Comment ça se passe? Beaucoup de mise en scène pour pas grand chose. Hein. Alors,
vous ramener des super taux, de recruter des autres pour retrouver le royaume de sa grandeur, construire. Dans l'éditeur de royaume, obtenez des éléments à la boutique. Donc. Oui, mais arrête de faire à chaque fois. Là. Obtenir. Bien sûr. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais te mettre là parce que de toute façon, j'ai pas le choix non plus. C'est pas comme s'il y avait de la place partout. Certains éléments réagissent lorsque vous les touchez. Essayez de toucher la maison du jeu bonus. Si vous recrutez 50 taux de rouge et 50 taux de bleu, vous pourrez ensuite placer la maison des Yoshi bleus. Placer la maison d'un personnage augmente le nombre de personnages jouables dans le tour des mondes et des défis taunes. T'as compris? Hey! Le tuyau Remix 10 est maintenant ouvert, blablabla, bla bla, la princesse Daisy. Ouais! Voilà. Quelque chose est arrivé dans ton boîte cadeau. J'avais vu en plus. Hey! Voulez-vous inviter un ami? Vous tentez de se battre et de ses scores. Mais je veux pas inviter d'amis, moi. J'en ai pas des amis. Je joue tout seul. Recevoir. Ok. Recevoir. Tout recevoir, je mets. C'est plus facile, là. Il m'a trop crié dans les oreilles. Ça m'a énervé. Alors, je vais cliquer sur la maison. Il a dit qu'il fallait que je clique sur la maison. Je vais aller voir le jeu bonus. Ouais, je veux voir le jeu bonus. Oh. D'accord, donc quand je marche là-dessus, j'ai remarqué, ça fait une pause. Et ça, c'est cool parce que tout à l'heure, je sautais par-dessus, en fait. Donc, je vais aller prendre en haut. Voilà. Ah, c'est le jeu bonus. J'ai bien fait de prendre en haut. Ah, j'ai raté. Ah, c'est bon. Moi, je vais aller tout en haut, moi. Ah, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Évidemment. Là, il y a un coffre. Ouais, c'est un ticket. Ah, il y avait 3 tickets en bas. Oh, je me suis fait loose-dé ce coup-ci. Tu vois, j'ai mal choisi. Voilà. Wouhou! Hey! Notification, je m'en fous. Mais trop longtemps chargé. Ah, la maison, elle est toute petite. Ah, c'est parce qu'elle remet du temps à charger. D'accord, c'est ça qu'il voulait me dire dans la notification. Là, j'ai des cadeaux? Non, j'ai aucun cadeau pour le moment. Ok. Eh ben, je vais aller... Je vais aller refaire un défi, tiens. Parce que je veux voir ce que... Si j'obtiens plus de choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais défier des gens, là. Choisissez un adversaire. Je vais choisir Ayenzo, qui en a 18. Allez. On va voir un petit peu si je gagne. Donc, quand on joue en taux de défi, ce que j'ai compris, donc on joue en réseau avec d'autres gens pour leur voler leur taux de... Voilà. Bah, déjà... Ah, va bien. Ah, je suis mort encore. Oh là là, ça va pas, Starfy. Ah non! Ah, est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné? Je me suis fourvoyé. Là, je connaissais pas du tout le monde.
Pourtant, c'est facile, hein. Mais je sais pas, j'ai paniqué. Voilà. Mais je pense qu'il a fait mieux que moi. Ah, d'accord, on perd pas nos pièces quand on tombe, mais... Ouais, parce que lui, il n'a pas pris de pièces, en fait. Lui, il a rien fait, lui. En fait. Au final. Il n'a qu'une pièce? Comment ça se fait qu'il a qu'une pièce? Moi, j'en ai 114. Mais là, il n'arrivait pas à passer, je crois. Il n'a pas réussi à passer les petites plantes carnivores, je pense. Il était comme moi, il est en stress, il a paniqué! Ah, j'ai eu 164 quand même, hein. Du coup je lui ai tout piqué. Ok. Et... Je suis à plus 14. Ok. Autre adversaire, allez, on va tenter, on va faire une... On va s'en enchaîner deux. Starpy Productions, c'est ça aussi, c'est... On prend des risques, on... Allez, on prend des risques, on va faire celui qu'on a 44. Allez. Peut-être qu'il joue bien en plus. Ah, du coup, je vais tout perdre. Mais c'est pas grave. Allez, défi Toad. On est parti, on est dans les starting blocks. C'est Fifi. Je joue avec Fifi. Bonjour Fifi. Ah zut! Pièce en folie, allez! Allez, c'est parti, c'est parti! Ah, je fais de la merde là, c'est parti! Non. Alors, ça s'est pas trop mal passé, mais j'ai eu des cafouillages. Hein, c'est vrai qu'il faut appuyer pile au bon moment. C'est pas très compliqué, mais c'est du doigté. Hein, ça joue avec un doigt, forcément. Ah, 35 contre 3. Ah, Fifi 69. Il va se faire laminer. Bah ouais, là il n'y a pas photo, mon pauvre. Je suis désolé, c'est la lamination. Ouais, wow, ouais. T'as vu, t'incites à mettre des likes, c'est comme sur Facebook. Voilà. Ouais. Ah bah Fifi, là, désolé, hein. Il n'y a pas photo, hein. Ah bah ouais. Là. Au revoir, Fifi. Alors, normalement, là, je les ai, les 50. Bah ouais, largement. Bah ouais, oh, attends. Oh. Oh. Maintenant, il me faut des bleus. Alors, je vais retourner au royaume parce qu'il me faut des bleus, là, maintenant. T'as vu? Et puis, on va tester un autre monde. Hein? On va pas rester là, dans les défis. Et puis, je pense qu'après, le prochain monde, je m'arrêterai là pour la capture. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Niveau 2! Ouais! Vous avez recruté tellement de tonnes que votre château monte de niveau! Ah, si t'appelles ça un château, moi j'appelle ça une tente. On dirait que quelque chose de spécial est en vente à la boutique. Allez voir de quoi il s'agit! Oh, on dirait que t'as des ressources ou pas. Bon, je t'attends dans le monde 1-4. D'accord. Ah, d'accord. Le fait d'avoir assez de ressources m'a permis de débloquer le monde 1-4. D'accord. Donc si tu fais pas les défis Toad, tu n'avances pas dans le jeu. Moi je vais construire, il a dit. Je vais à la boutique, il a dit. Et je vais spécial. Ah, je vais.
Mais je veux que ça, c'est quoi ça? Obtenir. Ok. Merci. Voulez-vous placer? Bien sûr. Bien sûr, je veux le placer. Je vais le placer là. Parce que j'aime bien. Spécial. Nanana. Non, il n'y a rien de... Tiens, je vais reprendre un village. Obtenir. Bien sûr. Et je vais te placer juste à côté de l'autre. Voilà, parce que ça fait classe. Et arrête de me crier dans les oreilles. Et puis je vais mettre... Puis je vais mettre un champignon, parce que c'est le royaume champignon après tout. Non, j'ai pas assez de pièces. Bah, celui-là, c'est tout. Oui. Bien sûr. Où est-ce que je peux le mettre? Je vais le mettre là, parce que ça fait classe. Et puis c'est tout, j'ai assez acheté de trucs là. Et si je clique sur la maison, il se passe rien, non, c'est bon. Là, je clique sur champignon. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait ton. Oui, ça se fait ton. Ça se fait. Ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ton aussi. Ok. Bon, bah, allez. C'est quoi ça? Remix 10. Je me tape 10 niveaux d'un coup. Normalement. Si tout va bien. Pourquoi tu parles comme ça? Hey, bienvenue dans Remix 10. Ce nouveau monde attend des successions de 10 stages très courtes. Traverser 10 stages pour avancer du 15 et blablabla. Essayer de sauver la princesse Daisy. Commencez. Hey, pour jouer à Remix, il vous faut des tickets, des filles, blablabla. Oui, j'avais compris, puisque tu me demandes de mettre un ticket. Ça sert à rien de me le dire après. Stage 1. C'est parti. Ah d'accord, c'est un grand drapeau ça. Ah ouais, c'était court. C'était court. Quand ils disent court, ils disent pas genre c'est... J'ai eu un saut. Avec la petite musique, on dirait de la musique de Sonic. J'ai vu les pièces, mais je suis pas resté assez appuyé. Mais ça fait la petite musique de Sonic un peu là, ça me perturbe. Allez. Oula. Ah bah là j'ai vu que je pouvais rebondir et je sais pas pourquoi j'ai pas rebondi. Parfait. Stage 3. Stage 4. Ça va très vite, on est concentré, on est concentré. Wouh. Ah bah là j'aurais dû rester. Ah. Ah bah là, non, là j'ai fait caca de la merde là. Carrément, c'était tout pourri. Wouah. 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 Wow, j'avais Toadette. Comment ça se fait que j'avais Toadette? Hey, coucou Toadette. Elle me faisait coucou, je fais coucou, attends. C'est ça la politesse. Stage 6. Ah bah je reprends Mario. Mais j'aurais dû partir dans l'autre sens, mais j'ai pas compris encore comment ça fonctionnait, ces flèches, pas compris. Parce que j'ai sauté et puis normalement il aurait dû revenir dans l'autre sens, mais il est pas revenu dans l'autre sens. Ouais, j'ai pas toutes les pièces hein, chaque fois, c'est dur à tout avoir hein, finalement. Ça c'est un jeu de réflexe quoi, c'est pas un jeu... Bon déjà Mario à la base c'est un jeu de réflexe hein. Et là, comment je fais là? Tu vois là comment je fais là pour revenir en arrière là par exemple? Là j'étais déjà trop en avant. Et puis avec cette petite musique entraînante. C'est le fun à l'état pur, c'est Mario. Wouh. Wouhouhou!
Ah, stage 10, c'est stage final. Wouhou! Oh yeah! Ouais, j'ai un jeu bonus. Mais j'étais encore dedans, j'ai appuyé. T'sais. Ouais, j'ai un arbre que je pourrais placer dans mon truc. Mush, jouer remix 10, bâtiment pourrait décorer, bla bla bla, plus vivant. À l'aide! Ah, mais elle est au niveau 30. Ramasser les médailles bonus pour avoir frappé les blocs bonus, obtenir peut-être des objets rares. Et pourquoi il y a Luigi en face de moi? Moi, je vais aller voir pourquoi il y a Luigi en face de moi. Pourquoi il y a Luigi en face de moi? Et puis après, j'arrête l'épisode là! Pas trop compris encore cette histoire de flèche là, ça me perturbe. Tu vois, tu peux pas aller les récupérer au premier passage, c'est pas possible, il y en a une en bas, les deux autres en haut, et là, tu peux pas monter. Ah si, peut-être tu peux monter, je sais pas essayer. Voilà, pas de stress. Parfait, puis c'est tout. Tum, tum. Tum, tum, tum. Wow. Wow. Oups. Bah ouais, mais là... Ah, il y a Luigi qui est là. J'ai perdu une vie quand même, quoi. Ah, je reprends Mario. Ah, j'aurais pu le faire, là. Ouh. Ah, il a pas voulu descendre, je voulais qu'il laisse descendre, mais il l'a pas fait. Parfait, stage 8. Ah, je l'ai pas eu. Ça swing hein, chez Mario quand même. Hein. Comment je fais pour aller là-haut? C'est impossible d'aller là-haut. Pas compris. Boss final avec une étoile. Oh yeah, Mario! C'est parfait en plus. Je mets pas.
Jeu bonus. Qu'est-ce que j'ai eu? Stock 2. Ok. Super. J'ai eu un tuyau. Ah. Wow. Allez. Zone terminée, continuez à obtenir des débuts. Hein, zone suivante. D'accord, mais moi je veux plus. Je veux m'arrêter, moi. Je peux pas m'arrêter, ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hey, à Peach. Ouais, moi je clique là, là. Qu'est-ce qui se passe? Super jeu bonus! Objet 3 étoiles garantie! Stock 1! Ouais! Très bien! Placé dans le royaume! Une fois activé, placé dans le royaume, des éléments dans le remix 10. S'il n'y a plus d'emplacement, de nouveaux éléments viennent remplacer les éléments existants, mais pas d'inquiétude, les éléments enlevés sont toujours disponibles! D'accord. Très bien. Eh bien, je m'arrête là, moi, pour ce petit test de jeu. J'espère que cette musique entraînante et ce rythme effréné de Mario vous aura plu. Restez connectés sur la chaîne de Starpy Productions. À bientôt pour un autre jeu test pour vous. Salut, salut. Ce programme est présenté par Starpy Productions.